morning. Bonjour. Uh, thank you very much for uh, braving the weather to come out and talk about taxes. <laughs> that, that would have sounded even funnier two months ago, but taxes have actually become a topic of real, intense, and interesting conversation, not only in Ottawa, but across the country. Uh, and I'm really looking forward to our conversation about them today. Uh, je m'appelle Gabriel, Gabriel Miller. Je suis le directeur executif de la Fédération des Sciences Humaines. Uh, the Federation is the national voice for scholars and graduate students in the humanities and social sciences. We represent a community of 90,000 researchers and graduate students across the country, and our membership is comprised of 160. Scholarly associations and universities across the country, and I am very happy to have the president of at least one of those universities here with us this morning from St. Mary's. So, welcome. It's terrific to have you on the hill with us this morning. Uh, to begin, on behalf of all of us, I'd like to acknowledge and give thanks for being on unceded Algonquin territory this morning. Uh, this morning's talk will take place in French with, simu with simultaneous interpretation available via cell phone. If you need interpretation, the details are on your tables. You will need to have headphones for your use with your cell phone, and there are extra headsets available at the registration table. Si vous avez besoin d'interprétation simultanée, les détails se trouvent sur vos tables. Nous avons aussi beaucoup d'écouteurs à l'inscription. Je souhaite remercier l'honorable Greg Fergus, notre député parrain de la série. C'est grâce à Monsieur Fergus que ces événements peuvent se tenir dans ce magnifique restaurant du Parlement. We also want to thank our friends and partners at the Social Sciences and Humanities Research Council for their long-standing support of the Big Thinking Series. L'année 2017 a marqué le 150e anniversaire de la Confédération. Nous en avons profité pour réfléchir à l'histoire du pays qui a commencé il y a bien plus longtemps, bien sûr. Nous nous sommes aussi projetés dans l'avenir pour tenter de voir à quoi ressemblera le Canada dans 10, 20 ou même 100 ans. Qu'est-ce qui nous transforme et fait évoluer les collectivités et le monde? Les sciences humaines peuvent et doivent aider à trouver les réponses à de telles questions. If we've learned anything this fall, it's that taxes can be a touchy subject, but they're also an important one, and that's why I'm so glad you could be here with us this morning. Il est en effet urgent de poursuivre les recherches sur les inégalités croissantes et les moyens de contrer cette tendance. Je suis heureux que nous avons professeur Turmel avec nous aujourd'hui pour nous lancer dans la discussion. Patrick Turmel est professeur à la faculté de philosophie et responsable de l'axe en éthique sociale et économique de l'Institut d'éthique appliquée de l'Université Laval. Un chercheur distingué, il est également chercheur associé à la chaire éthique et finances du Collège d'études mondiales de la Fondation Maison des sciences de l'homme à Paris, président de la Société de Philosophie du Québec et membre du comité éditorial de la revue Nouveau Projet. Parmi ces publications, notons La juste part, Repenser la richesse, les inégalités et la fabrication des grilles-pains, coécrit avec David Robichaud, et Rights of Way, The Politics and Poetics of Public Space, publié avec Mark Kingwell. Veuillez accueillir avec moi Patrick Turmel. Thanks Gabriel. Oh, that works right Okay so thanks Gabriel uh, for inviting me thanks to the the, the awesome team at the Federation uh, Gary uh, Mihaela, uh, Nicola Ashley. I don't know where they are exactly, but uh, thank you very much. It's been really a pleasure to uh, to uh, prepare this uh, event with you. Um, so Gabriel mentioned that uh, it was. Exceptional to see you all here so early this morning to talk about tax. I'll say, wow, well, it's incredible to see you all to hear a philosophy talk or, uh, about <laughs> taxation. Uh, so the, the talk will be in, uh, in French. Um, I'll switch now. Um, <laughs> the uh, le, le, le point de départ, comme l'a dit uh, Gabriel, c'est la croissance. des inégalités. Donc la croissance des inégalités affecte la, la grande majorité des sociétés démocratiques. On le dit beaucoup aujourd'hui. Ça inclut évidemment euh, le Canada et c'est un euh, et c'est quelque chose qui devrait nous préoccuper. Pas simplement pour des raisons morales ou philosophiques, mais parce que les inégalités ont euh, des conséquences négatives sur toutes sortes de domaines qui nous concernent. Hein? Les inégalités ont un effet négatif sur les progrès démocratiques, sur la stabilité sociale, mais également sur l'efficacité et la croissance économique. En, on, nous sommes de plus en plus nombreux à le dire. Des organisations importantes comme l'OCDE et le FMI ont tiré l'alarme. Il faut faire quelque chose pour contrer cette tendance à, euh, au creusement des inégalités. Et dans ce contexte, un des domaines de préoccupation important euh, s'avère être le retour de ce que l'on appelle parfois le capitalisme patrimonial. Vous avez sans doute entendu parler euh, du travail de Thomas Piketty, euh, l'économiste français qui est euh, devenu euh, un peu malgré lui une star euh, grâce euh, à la publication de son best-seller de 900 pages, Le capital au 21e siècle. C'est ce qu'il tente de nous expliquer dans cet ouvrage. Hein. Il nous avertit contre ce retour du capitalisme patrimonial. Qu'est-ce que ça signifie exactement Au fond, ce que nous, ce que nous dit Piketty, c'est que euh, nous vivrions aujourd'hui une époque similaire à la belle époque, c'est-à-dire la belle époque du capitalisme, hein, c'est-à-dire cette époque qui va de la fin du 19e siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale, où les inégalités étaient extrêmement importantes, où une part importante de la richesse était détenue entre les mains d'une petite minorité et était transmise de génération en génération par l'héritage. Et ce que nous apprend Piketty dans son travail, c'est que euh, tout porte à croire que nous serions de retour euh, à cette ère d'un capitalisme patrimonial où l'héritage devient le déterminant le plus important de notre position socio-économique donc pour être riche il faut avoir des parents riches c'est euh, euh, c'est la, la meilleure recette et plus il y a d'inégalités plus cette thèse s'avère fondée parce que plus il y a d'inégalités moins il y a de mobilité sociale donc ça c'est euh, le point de départ et face à cette situation, il y a plusieurs voix qui se font entendre aujourd'hui pour contrer euh, cette, cette tendance par une imposition plus lourde de, euh, de l'héritage ou des successions. Évidemment, quand on parle de, de, de ces voix qui se font entendre euh, et qui appellent à une imposition plus lourde de l'héritage, on pense surtout à, à la voix de penseurs progressistes, des gens comme Piketty, bien sûr, mais des gens aussi comme l'économiste britannique Anthony Atkinson, décédé l'an dernier. Mais ce ne sont pas seulement euh, les penseurs progressistes qui nous mettent en garde, en garde contre les dangers des inégalités et euh, qui appellent à une imposition plus lourde de l'héritage. C'est aussi le FMI, hein, le Fonds monétaire international. Ils ont pu, le, le Fonds a publié un rapport euh, il y a peu de temps, ça a été annoncé dans les journaux, vous avez peut-être vu ça passer. Donc, des experts du FMI nous mettent en garde contre cette, ce creusement des inégalités et appellent à une imposition plus importante euh, des plus riches en utilisant évidemment l'impôt sur le revenu, mais toutes sortes d'autres formes de taxes sur la richesse, dont l'impôt sur les successions. Or, vous le savez, euh, le Canada est en fait un des rares pays développés aujourd'hui à ne plus avoir d'impôt sur les successions. Euh, C'est le cas depuis 1972, euh, donc la décision a été prise en 1971. La question qui m'intéresse, hein, est-ce que euh, nous devrions de nouveau imposer les successions Est-ce qu'on devrait remettre cet outil à l'ordre du jour. J'ai l'impression que je dois parler devant le micro, mais en fait, je euh, <laughs> n'ai pas du tout à le faire. Pardon. Donc, euh, je suis un philosophe, donc nécessairement, je vais vous décevoir. Je ne répondrai pas directement à cette question. Euh, je, vais, je ne vais surtout pas vous dire à quelle hauteur on devrait imposer les successions. Euh, je l'ai dit, hein, moi, je, ne, je suis un philosophe, je suis pas un économiste, je ne suis pas un, un, un politologue. Je pense qu'il est absolument essentiel de respecter l'expertise euh, des uns ou des autres, donc des, des uns et des autres. Donc, je, je parlerai peu de chiffres ce matin. Je ne parlerai pas non plus des détails euh, d'implantation de, de ce que pourrait être un, un impôt sur les successions au Canada. En fait. Euh, J'aimerais plutôt m'intéresser ce matin avec vous aux enjeux fondamentaux de la justice fiscale et plus précisément de réfléchir aux objections de principe qui peuvent être soulevées contre l'impôt sur euh, les successions. Puis euh, évidemment, ces objections de principe, je ne les sors pas de nulle part. Hein. Euh, il y a plusieurs objections de principe que l'on entend dans le discours public, dans le discours politique contre l'impôt sur les successions. Maintenant, je parle d'objection de principe, mais il y a bien sûr de sérieuses objections pratiques à un, à un impôt sur les successions, et je suis sûr que déjà, vous avez euh, un certain nombre de euh, ces objections en tête. Euh, J'en présente quelques-unes euh, quelques rapidement, hein, quelques objections pratiques rapidement. Euh, il y a d'abord, évidemment, le problème de la concurrence fiscale. Je suis sûr que vous avez déjà ça en tête. Euh, le capital est mobile. Si on impose euh, lourdement les successions, et euh, surtout celles que nous voulons vraiment atteindre, c'est-à-dire euh, celles des plus fortunés, ben, elles vont simplement quitter le pays. Hein? Donc ça, c'est euh, évidemment euh, une première objection pratique euh, que l'on a rapidement en tête. Deuxième objection pratique qui va nous rappeler les débats actuels sur, euh, sur la réforme fiscale. Euh, on peut bien. Donc, le deuxième, euh, un, un impôt sur les, les successions menace la transmission de, du patrimoine familial et menace surtout la transmission des euh, petites entreprises ou des fermes des parents aux enfants. Hein, on va dire souvent, si on, on impose les successions, les enfants n'auront pas les moyens de payer l'impôt euh, dû pour conserver une, la petite entreprise ou la ferme parentale. Euh, ce serait évidemment injuste. Troisième objection euh, pratique un impôt et qui, qui, qui nous touche tous, hein, un, un impôt sur les successions, risque de toucher d'abord les familles de la classe moyenne parce que, évidemment, euh, celles-ci n'ont pas les moyens. De se payer les services de fiscalistes créatifs qui euh, là, les amèneront à, euh, sauver, à, à, à bénéficier d'échappatoires de, de, euh, fiscales. Je pense que ce sont toutes d'excellentes objections. Il faut les prendre très au sérieux. Mais, euh, mais il y a quand même des façons d'y répondre. On, on peut notamment euh, imaginer un impôt sur les successions qui euh, soit progressif et qui viendrait, par exemple, avec un généreux seuil d'exemption. Aux États-Unis, par exemple, le seuil euh, d'exemption euh, pour l'impôt sur les successions est de plus de 5 millions de dollars. Ça ne touche que 0,2 de la population. Un couple peut transmettre plus de 10 millions de dollars US à ses enfants sans être imposé alors euh, au fond ce n'est pas, pas un problème si, si évidemment le président trump ne, ne réussit pas à se débarrasser euh, si le, le président trump ne réussit pas à se débarrasser de cette euh, estate tax ben on pourrait euh, très bien imaginer au canada un impôt sur les successions qui euh, s'aligne sur le modèle américain au fond c'est si, si, ça euh, si, si, si notre objectif est de combattre le, le, le capitalisme patrimonial ce serait, euh, ce serait peut être pas la solution idéale mais ce serait une solution qui, euh, qui nous permettrait d'avoir un impôt sur les successions qui ne touche d'aucune façon euh, la classe moyenne qui euh, préserve la transmission des petites entreprises ou des fermes et euh, qui permet d'éviter assez largement le problème de la concurrence fiscale donc, ça m'amène à, à, à la question qui, moi, m'intéresse ce matin. Hein. Si on fait l'hypothèse d'un impôt sur, euh, sur les, les successions calquées sur ce modèle américain, donc on met de côté les objections pratiques, la question qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui, qu -ce qui reste comme objection de principe? Est-ce qu'il y a, malgré tout, là, pour, pour le dire autrement, si c'est viable économiquement, un impôt sur les successions, euh, est-ce qu'il y a tout de même des raisons fondamentales de s'y opposer? Hein? Est-ce qu'il y a des objections de principe? On en trouve dans le discours public, on en trouve dans le discours politique, et je voudrais en examiner trois pour tenter d'y répondre. Donc, premier, première objection de principe, l'argument de la double imposition, double taxation, hein, vous l'avez sans doute déjà entendu. Deuxième argument qui circule, un argument de liberté de choix. Et troisième argument, ce que je vais appeler l'argument de vertu. C'est maintenant que commence euh, votre cours de philosophie. <laughs> euh, L'ancien président américain George W. Bush, vous le savez certainement, a tenté euh, d'abolir l'impôt sur les successions. Il a réussi pour une année. Hein. Euh, et euh, c'est au moment où il a popularisé cette expression lourde de, de sens moral, hein, de euh, death tax, taxe sur la mort. Évidemment, ça résonne assez fortement. Euh, euh, comme expression. À l'époque, ça ne touchait que le 1 le plus riche, mais son argument était un argument de principe, nous, nous dit-il. Hein? Donc, son argument principal était l'argument de la, la double imposition, de la double taxation un argument qui se résume assez aisément. Au fond, euh, on, on, il est injuste d'imposer un montant qui a déjà été taxé lorsqu'il a été reçu en revenu. Donc ça c'est le, le problème de la double imposition. Euh, pour citer Bush, I just don't think, oh, je, je, ce micro me, <laughs> non, I just don't think it's fair to tax people's assets twice, regardless of your status. It's a fairness issue. It's an issue of principle, not politics. Donc c'est pas, pas simplement une question politique, c'est pas simplement une question pratique, hein, c'est une question Fondamentale, ce c'est injuste d'imposer les successions à cause de cette double imposition. Alors, comment est-ce qu'on peut répondre à cette objection? Première chose que l'on peut euh, souligner, c'est qu'il s'agit sans doute, certainement, d'un problème d'attention sélective. L'expression est d'un philosophe, euh, donc Martin O'Neill. Euh, si la double imposition est injuste, à l'égard de, euh, de l'héritage, elle, elle devrait l'être dans tous les autres cas de figure. Or, euh, si on y pense bien, hein, la double imposition, ou la double taxation, elle est partout. Euh, mon revenu après impôt est constamment taxé. Lorsque je paie euh, les taxes sur les biens et services, lorsque je paie euh, des taxes foncières, lorsque je paie des taxes scolaires, par exemple. Euh, du point de vue de l'argument de la double taxation, taxation ou de la double imposition, mais toutes ces taxes devraient être considérées comme injustes. Donc le problème de la tension sélective, si vous voulez, euh, c'est de consi considérer que seuls les droits euh, sur les successions représenteraient une forme illégitime de double imposition. Pourtant, deuxième réponse possible à cette objection, on peut aussi suggérer à l'inverse que le propre de l'imposition sur les successions, c'est justement d'être une des seules formes d'imposition qui n'est pas une forme de double imposition. Pourquoi Quand on y pense bien, hein, l'impôt le, euh, sur euh, les successions, l'impôt sur l'héritage, peut prendre deux formes. On peut imposer les successions, donc on peut imposer euh, le donateur, ou on peut imposer euh, L'héritage, hein, donc les, 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 le récipiendaire, les récipiendaires ou les héritiers. Mais euh, dans, dans les deux cas, puisque l'imposition ne s'applique qu'après la mort du donateur, eh bien, euh, c'est en réalité toujours les héritiers qui en font les frais. En pratique, ce sont les héritiers qui paient euh, cet impôt. Et évidemment, l'héritier n'a jamais été imposé sur la somme obtenue. Donc, on peut retourner l'objection contre elle-même, puis euh, constater qu'en fait, les droits de succession, contrairement à la grande majorité des taxes que l'on paie, euh, ben, se distinguent justement par le fait que là, il ne s'agit pas de double imposition. Donc, ça, c'est des façons d'y répondre, mais je pense que le vrai problème avec l'argument de la double imposition, la, la, le, le, le problème le plus sérieux, si vous voulez, c'est que, euh, c'est qu'en fait, tenter de, de, de rejeter la double imposition, ce serait, tenter de, euh, ce serait se débarrasser de tout système fiscal. On ne peut pas avoir un système fiscal sans, forme, sans une forme ou une autre de, de double imposition, parce que l'argent circule, la monnaie circule et est euh, 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 toujours taxée, donc est taxée ad infinitum, si vous voulez, l'argent la, est taxé à l'infini. Et le, les gens qui utilisent cet argument de la double imposition euh, semblent ne pas réaliser que ce n'est pas vraiment l'argent qui, euh, qui est imposé, ce sont les transactions. Et notre système fiscal, à quoi il sert? Il sert à déterminer euh, quel type de transaction on va taxer et à quelle hauteur. Hein? On, donc, le, 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 le revenu est une transaction, le, 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 le passage, euh, la transmission d'un patrimoine est une transaction, etc., etc., mais en dernière instance, et je termine sur cette première objection, euh, ce qui importe vraiment euh, du point de vue de la ju justice fiscale, c'est pas de savoir s'il y a ou non double imposition. C'est une question qui n'a pas vraiment de sens à mon avis. Ce qui doit plutôt nous préoccuper, hein, c'est l'équité du système fiscal en son ensemble, euh, dans lequel s'inscrit, si vous voulez, l'impôt sur les successions. Ça, c'est euh, ma réponse ou mes réponses à la première objection. Combien, je parle depuis combien de temps Deuxième... Ah, super, excellent, génial. Euh, deuxième objection, le problème de la liberté de choix. Au fond, euh, la, que, la deuxième objection nous dit qu'il y aurait... Euh, la, que l'impôt sur les successions brimerait... Euh, la liberté de choix d'une façon euh, particulière par rapport aux autres formes euh, d'imposition fiscale ou aux autres formes de taxes. C'est une critique qu'on retrouve, par exemple, chez un économiste euh, euh, important, hein, un économiste nobilisé, Milton Friedman, qui, euh, pour qui un impôt sur les successions contraint de façon euh, fondamentale les choix de l'individu en ce qui concerne l'utilisation de sa propriété. Je le cite. Uh, Milton Friedman would it seems illogical to say that a man is entitled to what he has produced by personal capacities, but that he is not entitled to pass any wealth onto his children. To say that a man may use his income for riotous living, but may not give it to his heirs, surely, uh, surely the latter is one way to use what he has produced. OK, donc, essentiellement, uh, Je, dev, je, suis, je, je devrais être libre d'user ou d'utiliser ma propriété comme il me plaît. Non, ça, c'est euh, l'argument euh, in a nutshell. Bon, une première chose à noter, euh, c'est qu'évidemment, présenter l'argument ici, c'est un peu fort. Hein? Un, il faut quand même faire la différence entre un impôt sur les successions et une interdiction de transmettre son patrimoine à ses enfants. Euh, Deuxième chose à noter, mais je ne suis pas encore dans le, le, le cœur du sujet, deuxième chose à noter, c'est que le, le consommateur aussi hein, peut être taxé sur les biens et services qu'il consomme. Celui qui décide de, euh, de, de dépenser sa fortune pour « righteous living »,« riotous living euh, » va aussi être taxé. Mais laissons ça de côté euh, pour le moment, parce que je pense qu'au fond, euh, ce qui identifie… Ici, Friedman, c'est un problème, un enjeu fiscal plus fondamental qui a à voir avec euh, ce qu'on appelle parfois l'équité horizontale. En fait, quand il est, ceux qui, ont, qui sont un peu intéressés aux, aux théories de la taxation, hein, vous avez déjà entendu cette distinction. Les, les économistes aiment bien distinguer deux formes d'équité euh, en, en matière fiscale, ce qu'on appelle l'équité horizontale et l'équité verticale. L'équité verticale, c'est au fond la question de savoir comment, euh, qu'est-ce qu'un traitement juste de deux contribuables qui ont un revenu différent. Euh, qu'est-ce que ça veut dire hein, imposer de façon équitable un contribuable qui a un revenu par exemple de 200 000 dollars par année, puis un contribuable qui a un revenu de 20 000 dollars par année. Est-ce que l'imposition devrait être proportionnelle? Est-ce qu'il devrait y avoir un impôt progressif? Ça, c'est la question de l'équité verticale. Mais il y a une autre question qui est la question de l'équité horizontale euh, qui porte essentiel qui porte sur qui, qui est la question du traitement fiscal équitable pour deux contribuables qui ont le même revenu en principe ça c'est pas un enjeu très controversé hein? deux personnes qui ont le même revenu avant impôt devraient euh, conserver le même revenu après impôt donc ça c'est le principe de l'équité horizontale. Or, euh, l'impôt sur les successions semble ici produire un problème d'équité horizontale. Pourquoi Bien, parce qu'il impose finalement, il peut impo un, un impôt sur les successions peut en, en, en dernière instance imposer plus lourdement les épargnants qui auraient un patrimoine à léguer évidemment sur lequel ils auraient un impôt à payer. Euh, que les consommateurs qui, auraient, euh, qui seraient moins imposés sur le montant dépensé. Euh, on peut imaginer par exemple là deux euh, c'est un exemple que je dois au philosophe Stuart White. Euh, on peut imaginer deux personnes à la qui, à la retraite. Ces deux personnes ont un patrimoine fiscal identique. Les deux apprennent qu'il leur reste un an à vivre. Euh, un premier décide de, euh, de tout dépenser, l'autre euh, décide de faire l'effort hein, d'épargner pour trans donc, euh, de, de, de vivre une dernière année modeste pour transmettre un patrimoine important à ses enfants. Mais là, évidemment, euh, il y a un risque avec un impôt sur les successions que la deuxième personne qui aura fait l'effort d'épargner pour transmettre un patrimoine à ses enfants, soit, euh, soit imposé plus lourdement, et ça semble être, ça semble être injuste. Donc comment justifier une imposition plus lourde pour celui qui décide de faire le choix et l'effort de léguer son épargne comparé à celui qui décide de la consommer Donc est-ce que ça, est ça n'implique pas, comme le, le laisse entendre euh, Friedman, un jugement induit à propos de l'utilisation de, de, de ses avoirs. Est-ce que l'individu n'est pas libre de faire ce qu'il veut avec son argent? Là, dans ce cas-ci, il semble qu'un euh, impôt sur les successions vienne pénaliser le choix euh, du deuxième. Bon, c'est un, un vrai problème, mais, euh, en, mais pas, euh, on ne peut pas le prendre, on ne peut pas traiter ce cas de façon isolée. Déjà, on peut s'intéresser à un autre problème d'équité horizontale. Hein, si plutôt que de s'intéresser euh, au cas du successeur, on regarde du côté de l'héritier. Là, imaginons euh, deux personnes, une personne qui reçoit un revenu de travail sur lequel cette personne est imposée et une personne qui reçoit un héritage qui profite de cet héritage sans aucune forme d'imposition. Là, on a deux personnes qui ont un revenu similaire, mais l'iniquité horizontale, cette fois-ci, est produite par l'absence d'un impôt sur les successions. Hein? Euh, je ne pense pas que ce soit un argument définitif, parce qu'encore une fois, ce qui me semble important, c'est de regarder le système fiscal en son ensemble. Mais je voudrais euh, souligner une autre, un autre élément. Notre système fiscal, c'est évidemment un système extrêmement complexe. On a différentes formes de taxation, puis chacune de ces taxations a des visées différentes. Donc, quand on s'intéresse aux questions d'équité horizontale, Bien, on peut s'y intéresser quand on, on, on compare l'effet d'une même taxe sur deux individus, mais évidemment il y a des taxes avec des visées di distinctes qui vont créer des inégalités dans les conséquences fiscales, si vous voulez. Euh, je donne un, un autre exemple. Plutôt que de comparer un consommateur et un épargnant, comme dans l'exemple des deux personnes qui vont mourir, hein, on compare deux consommateurs. Une personne qui euh, consomme qui, 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 qui ne consomme que des biens qui sont euh, environmentally friendly ou neutres du point de vue environnemental, puis une autre personne qui euh, consomme que des biens qui sont dommageables pour l'environnement. Là, on pourrait très bien imaginer une forme de taxation environnementale qui a comme conséquence que euh, les, 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 les deux personnes vont être imposées différemment. Est-ce que c'est injuste? Je ne pense pas étant donné la visée d'une taxation environnementale. Mais je pense qu'on euh, peut, on peut faire l'analogie avec l'impôt sur les successions s'il s'agit d'imposer les plus grandes fortunes et de combattre ce, qui, euh, ce, ce que l'on peut concevoir comme un, un, un mot, hein, un problème pour notre société, c'est-à-dire l'accroissement euh, des inégalités ou le retour du capitalisme patrimonial. Ce ne sont pas des arguments définitifs. Comme je le disais, euh, encore une fois, la vraie leçon ici, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de sens à s'intéresser à l'équité d'une taxe euh, de façon isolée de l'ensemble du système fiscal dans lequel elle s'inscrit. Dernier. Euh, c est, c est, je, je suis vraiment. Je, je, vous en, je, vous en, je fais ça assez rapidement, là, mais. Dernière objection de principe, l'objection de vertu. Donc, cette dernière objection considère que euh, l'impôt sur les successions serait une taxe punitive sur un comportement vertueux. Hein, au fond, euh, c'est vrai qu'on euh, conçoit qu souvent. Euh, le, la transmission d'un patrimoine à ses enfants de cette façon. Hein. On fait l'effort d'épargner pour transmettre euh, quelque chose aux générations futures euh, et, euh, et, et un impôt sur les successions serait donc une taxe punitive sur un tel comportement, mais pourrait également être un incitatif à dépenser, c'est-à-dire à consommer des ressources qui ne seraient plus euh, disponibles pour la postérité. Donc le, le philosophe Robert Nozick, qui n'aimait pas du tout l'impôt sur les successions, euh, voyait euh, l'impôt le, sur les successions comme une forme d'interdit sur un comportement d'amour filial. Hein. Donc suivant son expression sur les successions, par, par, par l'impôt sur les successions, loving behavior is forbidden. Euh, bon, encore une fois. Hein, euh, un impôt sur les successions, c'est pas une interdiction des successions, et on s'en tête. Mais je veux bien reconnaître qu'il faut être sensible à une certaine partialité euh, familiale. Il faut reconnaître le droit euh, à, à, de l'individu à dépenser son argent comme il le souhaite. Mais ça n'offre pas pour autant un argument de vertu ou un argument moral contre l'imposition de l'héritage. Moi, je, je, cet argument de vertu, je, je le trouve très dangereux pour les adversaires de l'impôt sur les successions, parce qu'en fait, il est à double tranchant. Pensons-y pensons bien. Il y a d'abord euh, le problème, déjà souligné, d'un héritier qui ne paie pas d'impôt sur le, sur, sur le montant obtenu, versus le travailleur qui doit payer un impôt euh, pour le travail dûment mérité. Hein? Euh, après tout, le fait de travailler, et on le fait souvent, euh, peut aussi être décrit comme un acte vertueux, hein, et, malgr et, et, et malgré tout, peu de gens s'opposent à un impôt sur le revenu de travail. Mais il y a aussi le problème de euh, ce qu'on pourrait appeler, disons, la, la partialité filiale et de ses excès. Est-ce que transmettre un héritage à ses enfants, est un geste authentiquement vertueux. Dans une certaine mesure, oui. Je pense que euh, quand des, des, des parents de la classe moyenne font un effort de préserver un patrimoine pour aider euh, leurs enfants dans la vie, euh, c'est sans doute louable. Mais euh, si on garde à l'esprit que euh, seuls les héritages d'une certaine taille, d'une taille importante, encore une fois, aux États-Unis, hein, un couple peut laisser plus de 10 millions à ses enfants sans payer d'impôts. Ben, on peut se poser la question du caractère vertueux euh, de la transmission. Parce que le, le, là, on, on est dans un contexte où les chances sont très bonnes que le récipiendaire soit déjà détenteur d'un euh, capital économique important, probablement qu'il a bénéficié déjà d'une éducation privilégiée, d'un capital social. Et donc, il me semble qu'on peut difficilement voir comme vertueux un acte, un geste qui contribue à la reproduction des élites. Je conclue. Je vous l'ai dit en introduction, euh, je suis un philosophe. Euh, ce qui m'intéresse d'abord, ce ne sont pas les chiffres, ce ne sont pas les détails des... Euh, je, 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 je encore devant ce micro. Je, ce, 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 ce qui m'intéresse d'abord, ce ne sont pas les chiffres, ce ne sont pas les, les détails d'implantation d'une politique publique en particulier. Euh, ce sont, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les arguments, c'est la délibération. Hein, la, la méthode de la philosophie, c'est d'abord celle de la réflexion, c'est celle du raisonnement euh, critique. Et donc, de ce point de vue, il me semble qu'une une, une contribution euh, importante de ma discipline, du point de vue des politiques publiques, du point de vue des discussions démocratiques, bien, euh, consiste à analyser, si vous voulez, les différents arguments qui sont déjà en jeu dans les débats, qui sont déjà sous-jacents euh, au discours public, pour y voir plus clair, pour voir s'ils tiennent la route. Et euh, c'est un peu ce que j'ai voulu faire aujourd'hui hein, par l'analyse de trois, trois euh, objections qu'on peut très aisément reconstruire en nous penchant sur le, le, le débat autour de euh, l'impôt sur les successions. Donc pour conclure, euh, vraiment cette fois-ci, même, si, euh, même si je n'ai pas directement répondu à la question, le Canada devrait-il imposer les successions, il me semble que le, le refus assez acharné euh, d'un impôt sur les successions, et, et dans, dans plusieurs autres pays, euh, le, la, la pression de certains groupes, visant à réduire les droits sur les successions au maximum, alors qu'ils ne concernent déjà que les plus favorisés, euh, a, conséquence, a comme conséquence directe d'amplifier le phénomène du capitalisme patrimonial et euh, l'accroissement des inégalités. Même si le Canada fait encore relativement bonne figure à cet égard, il me semble qu'on ne peut pas se passer des outils dont on a besoin. Pour freiner cette tendance au creusement des inégalités et pour freiner, si vous voulez, les menaces qu'il fait, pe qu fait peser sur la santé démocratique et euh, économique du pays. Je vous remercie. Est-ce que je reste euh, ici ou. Uh, merci de ces réflexions, Patrick. Uh, nous invitons maintenant les gens uh, à poser des questions. Veuillez utiliser le microphone au centre de la salle. Please feel free to ask questions uh, or make comments in English or French. Uh, but whichever language you use, please identify yourself and try to keep uh, your questions and comments short. Um, maintenant, je vais essayer de parler un peu en français uh, sans notes. Donc, euh, <laughs> s'il vous plaît, êtes euh, patient avec moi. Um, premièrement, je veux juste dire, uh, je veux vous remercier parce que c'est vraiment um, inspirant d'avoir un philosophe ici au Parlement, du, uh, au restaurant du Parlement uh, pour discuter un, un, des enjeux uh, nationaux et, um, et un sujet un peu technique mais dans une manière uh, qui demande des questions vraiment uh, fondamentales. Et, um, et pendant votre discours, j'ai été frappé par uh, la, la, la logique, l'imagination et, et la passion uh, avec, uh, uh, dans la manière de, de laquelle vous parlez. Donc, merci beaucoup, c'était uh, un plaisir. Sir, um, s'il uh, vous plaît. Lou uh, a question en anglais First of all, I can answer your question. I, I, I agree you know, Canada should bring back inheritance taxes. Uh, and I, I note that you didn't make a distinction so much between uh, capital and income. If you go to a place like Netherlands, they have both an inheritance tax and a capital tax. So they're, they're doing it in, in two different ways. But it leads me to uh, another philosophical question based on your observations of what goes on in the US. They have an inheritance tax. Uh, they tax for pensions on payrolls at a much, much higher level than we do, so they get larger pensions on Social Security. And they also tax uh, citizens outside their country on the principle, and this brings me to my question the principle that citizenship invites and, and involves both rights and obligations no matter where the citizen lives and i wonder what your feeling is about that principle philosophically oh wow that's a, that's a, a, a great question I, uh, I did not really think about that, uh, that, that issue uh, so one, one, question, one way to understand your question is whether we should here too uh, tax our citizens uh, that, that live abroad, right? Um, wow, that, that's a, a that's a great question. I I want, I want to relate to to the uh, estate or inheritance tax. So I, I, let me um, say uh, something about that. I did not make a distinction between. Uh, an estate tax uh, and an inheritance tax. Uh, when it comes to public policy, it, the distinction is, is very important, but when it comes to matter of principle, i think we can uh, ignore it. Uh, well, I, i'm not sure what to, to, to answer, but i would certainly believe that if our citizens living abroad are already facing uh, 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 an estate tax in the country where they live, there, then, if we would also tax them on the the, uh, the estate, it would really be a, a, a serious uh, problem of double taxation. Then, uh, but I, I could imagine that we, we 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 could at least have some sort of symbolic uh, taxation abroad that would not be punitive or that would not disincite people to be Canadians to, to be Canadian citizens. Like I, I, I'm. Happy to have Canadians living all over the world. Uh, that's not a very satisfying question, uh, answer. I think that the question is, as you said, a, a very important philosophical question. And, and as a political philosopher, I should I should uh, think more about it. Uh, thank you for the question. <laughs> Sorry, it's I mean, philosophers are not very good to come up with uh, <laughs> with. with answers on the spot, especially when it's about something that they haven't thought about before. But I, I, I can see now how it's. Uh, I, I really should put some thought into it. <laughs> <laughs> uh, just Sorry, just a, a follow up. Do you know of any uh, proposal that have been made to have such a tax in Canada? Yeah? Oh, huh, interesting. OK, so we'll, <laughs> we'll talk about that. <laughs> Dominique? Bonjour, Dominique Marchal, directrice du département d'histoire à l'université Carleton. Il y a de plus en plus d'historiens au Canada qui font l'histoire de l'imposition, et puis leur travail c'est un peu à l'envers de ce que vous faites, c'est de découvrir derrière l'évolution de l'imposition les principes euh, qui les les principes puis la, les, les, les questions morales profondes de ces transformations. Mais ce que je me demandais à vous écouter, c'est est-ce que vous avez des exemples au Canada, dans l'histoire du Canada ou ailleurs, où des philosophes comme vous ont influencé les débats, où il y a vraiment une influence explicite des philosophes? Parce que mes collègues, c'est comme s'il faut qu'ils creusent derrière les débats pour découvrir euh, les principes, mais en général, ils sont cachés. Mm -hmm. Alors j'aimerais savoir s'il si, en fait, y a eu des philosophes qui ont vraiment eu l'influence mm -hmm. ici ou ailleurs euh, au cours des siècles. Merci. Mm -hmm. euh, ailleurs, oui. Euh, C'est intéressant parce que on, on, vous connaissez la, 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 la boutade de, de, de Franklin, hein, je pense. Il y a, il y a euh, deux, deux, deux seuls sujets euh, vraiment importants, la mort et les taxes. Les philosophes se sont beaucoup intéressés à la mort, mais en fait très peu, euh, très peu aux taxes euh, pourtant. Euh, mais euh, ce ne sont pas deux sujets importants, deux sujets qu'on qu ne on peut pas éviter hein, dans la boutade. Euh, ou deux choses qu'on ne peut pas éviter. Mais il euh, y, y a très peu de discussions euh, en philosophie politique, même dans l'histoire de la philosophie politique sur, euh, sur l'impôt. Il y a des exceptions. Euh, John Stuart Mill, par exemple, au 19e siècle, euh, à, à militer en faveur euh, d'une un, imposition euh, de l'héritage. Et, euh, et c'est amusant parce que euh, l'idée qu'il développait alors est une idée qui revient aujourd'hui dans des, des, des travaux, euh, de, notamment d'économistes, qui, euh, j'en profite là pour, pour présenter ça parce que je trouve ça intéressant, plusieurs économistes aujourd'hui nous disent qu'il faudrait arrêter d'imposer les, euh, les successions, il faudrait plutôt imposer les héritiers, et, euh, et imaginez que le seuil de, euh, le, le seuil d'exemption ne s'applique pas sur les successions, mais sur les héritiers. Alors imaginez là par exemple, que nous, avons, nous, nous aurions tous droit à recevoir euh, 2 millions de dollars euh, sans imposition au cours de notre vie. Donc pas pour chaque, pas pour chaque héritage et, euh, mais, mais, et, mais donc ce serait, ce serait cumulatif. Je reçois par exemple 1 million de dollars, euh, de, 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 de ce grand-oncle que je ne connaissais pas en Californie. Là, comme on... euh, donc, je, je, je ne suis pas imposé. Je découvre une autre grande tante en Angleterre qui m'envoie un, un autre million de dollars. Je ne suis toujours pas imposé parce que je profite d'un seuil de, de 2 millions. Puis, tout autre héritage que je recevrai ensuite sera imposé assez lourdement. Donc, au lieu d'imposer les successions, on pourrait imposer les, euh, les héritiers de façon à encourager euh, les, les, euh, les gens à faire hériter le plus grand nombre de personnes possible. Au lieu de, de, de simplement faire hériter euh, mon enfant, bien, je fais aussi hériter mes petits-enfants. De cette façon-là, je… Euh, et peut-être peut un neveu aussi, et peut-être euh, ma sœur, parce que plus je multiplie les bénéficiaires de ma fortune… Euh, plus je parviens à éviter de, de, de l'impôt, puisque ce sont les héritiers comme tels qui sont euh, imposés. Donc, ça aurait comme effet une meilleure distribution de la richesse, mais aussi un, un, un effet positif en termes de justice intergénérationnelle. Donc, euh, y a, euh, y a, ça, c'est un bon exemple. Ce sont aujourd'hui des économistes qui défendent cette thèse. Je pense en, encore une fois à Anthony Atkinson. Mais en fait, euh, cette thèse, on la retrouve chez des philosophes comme John Stuart Mill, mais aussi John Rawls qui n'ont jamais eu une influence aussi directe que peuvent l'avoir les économistes sur le débat public. Donc, est-ce que euh, les philosophes participent, participent directement et ont une influence directe sur euh, les débats, sur, la, la, sur, sur les, les, les enjeux fiscaux Rarement, mais je pense qu'il y a une influence importante, hein, euh, qui est souvent indirecte, mais qui est bien réelle. Hi, uh, je vais poser ma question. Uh, n'importe uh, uh, um, you mentioned uh, well, you kind of took the words out of my mouth actually. you mentioned a few minutes ago uh, Robert Nozick, and you just just finished mentioning uh, John Rawls, and that's, I was going to draw that distinction and ask if you thought that was a useful way to frame the debate between I guess you could say Nozick is libertarian as far as I know, and Rawls is kind of the opposite. Uh, That was yeah. what I was going to ask, but you kind of mentioned it anyway, so... <laughs> uh, thank you. Yeah, well, I, of course, that's... Uh, je, je reste en français. On va vivre la vraie expérience uh, <laughs> du le Capitol Hill. Uh, donc, évidemment, on, on va souvent uh, présenter les débats en philosophie politique comme un, un débat entre, d'un côté... Les libertariens, euh, Nos Robert Nozick étant une figure de référence, hein, les libertariens qui ne veulent rien savoir de, euh, de l'impôt en général, et les, euh, euh, les libéraux ou les libéraux égalitaristes comme John Rawls qui euh, euh, sont, sont prêts à, à nous taxer de façon très, très importante. Et je pense que ce sont deux positions. Euh, qui s'opposent, mais euh, aujourd'hui les philosophes qui veulent réfléchir intelligemment en, aux, aux enjeux de justice fiscale doivent réussir à trouver une espèce de juste milieu entre les deux. Parce qu'en fait, euh, un problème avec les, 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 la position libertarienne contre l'impôt sur les successions, c'est que généralement il y, y a très peu de libertariens qui sont contre toute forme de taxe. Mais pour une raison ou pour une autre, ils détestent l'impôt sur les successions. Donc, ils acceptent un certain impôt sur le revenu, mais, euh, mais l'impôt sur les successions, là, ça, c'est le pire crime qu'on peut imaginer. Mais, euh, mais pourquoi exactement, ce n'est pas, pas très évident. Hein. Je, je, je pense qu'on peut assez aisément répondre aux libertariens et, que euh, et, et il, faut, il faut avoir une conception un peu plus nuancée des formes de, de, de l'utilisation des formes de taxation qu'ils euh, qu ne le proposent. Puis, de l'autre côté, ben, on a des, des libéraux égalitaristes qui sont. Euh, très favorable à la taxation, comme John Rawls, par exemple, euh, qui discute très peu de cet enjeu. Il nous dit, euh, John Rawls, par exemple, nous dit, « que ça, c'est plutôt un enjeu de jugement politique. Hein, je ne vais pas entrer dans le détail de la taxation. » Mais quand on regarde sa théorie, on se demande, mais euh, suivant sa théorie où il nous dit, par exemple, qu'il n'y euh, a aucune de ma richesse qui est méritée, hein, euh, euh, au fond, euh, c'est une bonne part d'arbitraire qui fait que je suis plus riche qu'un qu autre. Euh, ben, à partir de cet argument-là, on ne voit pas où on devrait s'arrêter. Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas imposer complètement les successions Évidemment, on ne veut pas aller là non plus, entre autres parce qu'il y a des, des objections pratiques. Et donc, il faut réussir à réfléchir aux enjeux fiscaux en, euh, en, en partant du, de, 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 du système fiscal comme tel, en partant d'enjeux qui sont propres à ces, euh, ces, 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 aux, aux enjeux fiscaux et pas simplement plaquer des grandes théories philosophiques qui nous amène euh, généralement à des conclusions euh, euh, trop radicales dans un sens comme dans l'autre et pas très pratiques. On a le temps pour un, une dernière question. Bonjour, je suis Claude Gosselin du Conseil de recherche en sciences humaines. Merci beaucoup, professeur Turmel, pour euh, cette gymnastique intellectuelle ce matin. C'était <laughs> très stimulant. Euh, J'étais seulement curieuse de mentionner que les impôts sur les successions avaient été abolis au Canada en 1971. Si je ne me trompe pas, ça devait être sous le gouvernement Trudeau-Pierre. Et pouvez-vous nous parler de quel était, quels étaient les débats à ce moment-là puis quels étaient les arguments avancés pour le faire? Mmh. Euh, bon, il y, y, y a deux choses que l'on peut dire. J'ai fait un peu de recherche sur, euh, sur les, euh, les débats, et là, il faudra que je parle avec les historiens pour en, en savoir un peu plus. Je n'ai pas, euh, pas trouvé énormément de matériel là, euh, vraiment substantiel. Euh, ça fait suite à la, à, au, au rapport Carter. Et euh, en 71, il faut avoir deux choses en tête. Euh, bon, la première, c'est que euh, les inégalités étaient euh, bien moins importantes. Hein. On, est, euh, on était dans les, 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 les 30 glorieuses. Là, il y avait… on a connu à ce moment-là une croissance économique qui a, euh, qui a permis d'alléger de, de, beaucoup les, les inégalités. Et, euh, et donc… La, la question d'un impôt sur les successions qui, à l'époque, rapportait très, très peu au gouvernement. Euh, même pas, je pense que je pense que j'ai lu que c'était 62 millions, là, mais il faudrait, faudrait vérifier. Ce euh, n'était pas un impôt très payant. On n'avait on on pas conscience d'un sérieux problème d'inégalité parce que la situation était très différente. Donc, on s'est débarrassé de ça en pensant qu'un euh, un impôt sur les gains en capital, monsieur y a fait référence, Allait être suffisant. C'était, euh, c'était peut-être pas une mauvaise décision à l'époque. Euh, je ne me prononcerai pas là-dessus, mais en tout cas, euh, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que la situation, la situation est différente. Il faut réfléchir à, aux outils au, 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 qui, qui, auxquels on a accès pour, euh, pour pour combattre le creusement des inégalités. Puis euh, comme je, je me range donc du côté du FMI, là, cette fois-ci, pour, euh, pour, 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 pour souligner l'importance de, de, de cet outil en particulier. Merci beaucoup. Euh, J'aime cette phrase, euh, le gymnastique intellectuel. Euh, je pense que c'est la, la description parfaite pour le, votre discours. Comme j'ai dit, c'était vraiment euh, intéressant et, et inspirant d'avoir un, un philosophe ici. Pour discuter d'un uh, grand danger pour le uh, Canada. Uh, so merci beaucoup, Patrick. Please, everyone, join me in thanking Patrick for his uh, presentation thank this you. morning. Uh, just one minute uh, de plus. Uh, Patrick, je vous remercie et je uh, vous donne un, un petit cadeau oh. uh, comme, uh, pour, pour dire merci pour uh, ce matin. Merci beaucoup. thanks everyone. thanks. merci um, encore au crsh pour leur soutien précieux tout au long de cette série. merci encore à l'honorable greg fergus, notre député parrain de la série de Coserie Voie grand. thank you all for joining us uh, today. a video of the presentation will be available shortly on the federation's website and i hope you can join us on november 21st for the promise of reconciliation. Will this time be different? With Catherine Graham, Professor Emerita in Public Policy and Administration at Carleton University, and David Newhouse, Professor in Indigenous Studies and in the School of Business at Trent University. Merci encore et bonne journée à tous. Thank you and have a wonderful day.